fan, rien de particulier. C'est pour ça que je ne vous ai pas pris jusqu'à présent. Là, je finis d'étaler ma poudre. Et je vais venir nettoyer mes sourcils. Appliquer le crayon Pony Effect que m'a offert Estelle, puisque on fait une troisième et dernière vidéo sur le crash test des produits qu'Estelle m'a envoyé. Donc, j'ai pas réutilisé le bronzer. Je préfère utiliser mon bronzer crème pour essayer de le terminer. Mais celui qu'Estelle m'a envoyé est très bien aussi. Donc, j'utilise le crayon Pony Effect parce que, de toute façon, j'en ai un autre qui est entamé. Mais bon, les crayons, ça va quoi. C'est pas comme un produit. C'est pas comme un contour ou quoi que je vais mettre un temps à finir qui va se périmer. Donc, voilà, juste comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on va utiliser le blush lumineux Wet n Wild. C'est le Don't Fluffer Yourself avec un oiseau. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Parce qu'il est scellé. Non, hop. Je me suis coupée. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Donc, il est comme ceci. Il est super beau. Et je pense que c'est un dupe du Orgasme de Nars. Exactement comme l'autre qu'elle m'a offert qui vient de chez Mercadona. Donc, je le prélève avec ce pinceau qui est un pinceau essence. Donc, hop. Et c'est très joli. En fait, j'ai l'impression que c'est plus lumineux que pigmenté rose. Je sais pas ce que vous voyez. Mais quand même, si c'est quand même assez rose. Je passe sur le nez. Par contre, je trouve qu'il faut en prélever pas mal. C'est pas super, super facile de prélever la matière. Mais par contre, il est très joli. Il est plus lumineux que pigmenté. C'est plus un enlumineur que un blush. Mais il est très joli. Oui, j'ai fait tomber mon pinceau. Il est très, très joli. Il est comme ceci. Je vous le remontre. Très, très joli. Vraiment très joli. Donc, hop. Et je vais mettre le spray ELF, encore une fois. J'ai pas de problème avec ce spray. Je sais pas si sur une journée de, enfin, toute entière, c'est vrai, enfin, je trouve que c'est pas matifiant, mais en même temps, un spray qui reste mat toute la journée, j'en ai jamais trouvé, donc voilà. Avant de continuer, je vais compléter le look avec des petites boucles d'oreilles. J'avais envie d'essayer. Ceux-là, je ne les ai jamais mises encore. C'est les petites tasses là. C'est un personnage dans une petite tasse. C'est Estelle qui les a faites. Donc, hop. Je vais les mettre. Et du coup, j'aurais mis toutes les boucles d'oreilles qu'elle m'a envoyées. J'arrive pas trop. Voilà. Et du coup, c'est la dernière boucle d'oreille que j'avais pas encore portée. Et du coup, je les aurais toutes portées, celles qu'elle m'a envoyées dans le swap. Et du coup, j'ai porté toutes les boucles d'oreilles que qu'Estelle a fabriquées que j'ai, puisque les autres, elles étaient plus vieilles et je les avais déjà portées. Donc, voilà. Elles sont, c'est pas, en fait, elles sont plus grosses, surtout que là, j'ai les cheveux attachés. Mais c'est pas celles que je porterai tous les jours, mais elles sont très jolies. Franchement, elles sont très jolies. Elles sont mignonnes. Donc aujourd'hui, je vais prendre la palette de mon Project Pan pour faire le principal du travail. Je vais prendre un fard. En vrai, je peux prendre n'importe quelle couleur. Je vais prendre le. Allez, je vais prendre celui-ci, le vert. Le vert bleu turquoise, là. Ça. Voilà. Et je vais le mettre partout. Partout, partout, partout. Cette palette, en fait, je vais m'en servir, voilà, comme ça pour accompagner des trucs. Ou alors pour mes make-up blabla, ce genre de choses. Cette année, comme ça, au moins, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Parce qu'en fait, sinon, chaque fois quand je fais un make-up ou quoi, c'est pour essayer des nouveautés. Mais quand j'aurai pas de nouveautés à essayer pour les yeux, quand j'aurai pas de nouvelles palettes, j'utiliserai cette palette-là. Donc, avec le côté qui est plus, enfin, qui a moins de matière, je viens estomper un peu plus les bords. Et je vais prendre le bleu légèrement plus foncé pour faire le ras de cils. Alors, je n'ai pas changé de pinceau parce que j'ai la flemme.
et que j'ai plein de pinceaux à laver. Mais là, je vais prendre un pinceau sans rien dessus pour venir juste estomper encore. Hop. Je fais un truc très très simple avec cette palette. D'ailleurs, je la range déjà. Et en fait, je vais utiliser les paillettes comme ça de chez Shiglam parce que je les trouve magnifiques. Alors, c'est un pot, c'est gélifié comme ça à l'intérieur. Et c'est des paillettes iridescentes. Donc, je vais les appliquer au doigt parce que je sais que ce sera mieux au doigt. Donc, j'en prélève. J'en ai prélevé beaucoup. Je vais faire moitié-moitié. Ça, je ferai les deux yeux avec. Donc, hop. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Et regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Par contre, du coup, c'est très... Enfin, c'est pas uniforme. Puisqu'en fait, ça dépend vraiment... de comment vous le mettez. Alors par contre ça colle, donc là j'en ai en dessous. En fait c'est un joli produit mais difficile à travailler quoi, parce que il faut le prélever alors, au doigt ou avec un pinceau exprès. C'est collant, c'est gélifié et du coup c'est pas uniforme sur vous voyez mes deux yeux, ils font pas pareil, surtout que là j'en ai foutu en dessous. Ça passe un peu. Mais franchement, sinon, c'est magnifique. Là, comme j'ai l'impression qu'on voit plus des reflets bleu et vert, je pense que ça dépend du fard qu'on met en dessous parce que c'est vraiment iridescent, multichrome quoi. Vous voyez, enfin, c'est vraiment iridescent dans toutes les couleurs. Donc, je trouve ça trop beau. Je vais juste essuyer les doigts avec des petites lingettes d'Estelle. Et je continue mon make-up juste après. Vraiment. J'adore ce genre de produit, mais je sais que ça sèche vite. C'est le Invisible Jelly Shadow Glitter Wizard. C'est la teinte Moonlight Stroll. Dans la muqueuse, je vais mettre le Long Lasting de chez Essence, là, le bleu du produit. Et du coup, je vous disais, en fait, ce genre de produit, c'est très joli et tout ça, mais ça va sécher assez vite. Donc, j'espère l'utiliser avant qu'il sèche, parce que ça m'embêterait beaucoup. Que je l'ai pas assez utilisé quoi. Le bleu, enfin, je trouve que ça marque pas trop bien dans ma muqueuse. Le marron marque beaucoup mieux. Soit je mets le mascara Essence comme d'habitude. Là, c'était la troisième vidéo et j'avais que deux palettes à tester. Donc, évidemment, c'est moins. Il y a moins de contenu en nouveauté. Mais j'avais quand même envie de faire une troisième vidéo pour vraiment tout essayer. Il manquera plus que... Enfin, j'ai déjà essayé le blush de chez Mercadone qu'elle m'a offert. C'est sur Instagram dans mon make-up NYX. En fait, j'ai utilisé du NYX pour les yeux et la bouche. Et pour le teint, j'ai mis le blush lumineux rose qui ressemble pas mal à celui-ci. Il est plus rose que lumineux, mais ça reste assez naturel. Et pour les lèvres, je prends mon crayon Yves Rocher de mon Project Pan, évidemment. Je suis vraiment le vrai contour de mes lèvres et j'overlay une panne et rien. Vous voyez, c'est juste mes vraies lèvres là. Juste sur le bord. Je frotte en fait pour que ça fasse pas un trait super net. Et après, je vais mettre le Ellary, le lipstick de Colourpop, de mon projet de panne aussi. Et voilà pour ce make-up. Principalement les Project Pan, les glitters d'Estelle et le blush d'Estelle. Le spray aussi. Mais après, ça reste un make-up, je trouve, très joli. J'aime beaucoup cette couleur de rouge à lèvres. C'est juste que je trouve que pour porter au quotidien, genre je ne me verrais pas mettre ça tout le temps. Pour les vidéos, pour une occasion, oui, mais pas au quotidien. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Bref, donc voilà les nouveautés. J'ai aussi essayé les dernières boucles d'oreilles que j'avais pas encore mises. Donc encore une fois, merci beaucoup à toi Estelle.
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.